Bonjour, je suis Hugues de Chaunac, le patron du team Horeca Matmut. C'est un moment extrêmement important cette semaine puisque c'est la semaine des 24 heures du Mans. C'est la course la plus importante évidemment de l'année, la course la plus mythique de l'endurance, et nous y engageons deux voitures. Une LMP1, une 908, qui est une Peugeot 908, mais qui est un modèle 2010, un modèle de l'année dernière. Mais c'est un modèle qui est moins performant en termes de performance par rapport aux nouvelles voitures de l'usine Peugeot ou aux nouvelles voitures de l'usine Audi. Mais c'est un modèle qui reste extrêmement fiable, c'est ça son point très fort. Et c'est ce qui nous a permis de remporter les 12 heures de Sebring il y a environ à peu près 2 mois, une grande victoire où là nous avons réussi l'exploit de remporter cette course mythique. Et puis à côté de cette LMP1, nous avons une deuxième voiture qui est une LMP2, qui est là une Horeca 03, c'est-à-dire c'est une voiture construite par nous-mêmes, et nous en avons une voiture construite pour être commercialisée. On l'a fait courir un peu à titre exceptionnel sur cette épreuve. Il y aura d'ailleurs 3 Horeca 03 qui seront au départ de ces 24 heures, 2 dans des équipes clients, des équipes à qui nous avons vendu ces voitures, plus notre voiture, donc 3 Horeca 03. Là, évidemment, le target, l'objectif clair de la LMP2, c'est d'essayer de remporter la catégorie, que ce soit notre voiture ou une de voitures de nos clients. Il faut que l'Horeca 03 soit complètement sur la plus haute marche du podium. Et puis, sur la LMP1, ça va être une course extrêmement animée. L'objectif, c'est d'essayer d'approcher la dernière marche du podium, parce que pour être sur la plus haute marche, ce sera difficile avec 3 Audi et 3 Peugeot au départ. Mais par contre, si on fait une très belle course, une course régulière, je pense que là, on a vraiment une chance de pouvoir s'approcher du podium. En tous les cas, ça va être l'objectif. Alors j'espère que vous allez être très nombreux à nous suivre.